Attends. Tu veux voir? Ouais, si je fais un truc pas bon à manger, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que les amis, moi je sais pas. Hein. Genre, attention. Ouh! Bonjour sur Mtelev, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft. Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui nous allons tenter d'entrer dans le corps de Annabelle. Alors j'ai vu les amis qu'il y a quelques temps j'avais fait une vidéo sur le corps de ça et qu'il vous avait pas mal plu. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve maintenant pour le corps d'Annabelle. Alors on va voir à peu près quelles seront les différences, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans ce corps là. Et encore une fois, je sais pas si vous pouvez voir mais à l'arrière de moi il y a une sorte de billetterie. Et donc du coup il y a Annabelle qui est là et qui gère la billetterie. Donc du coup dès maintenant je compte sur toi pour que tu t'abonnes à la chaîne, n'hésite pas aussi à mettre la cloche de notification, ça me ferait vraiment super plaisir. Et n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu parce que si on arrive sous cette vidéo à faire les 2000 pouces bleus, et bah je vous ferai un prochain épisode avec un nouveau personnage de On Entre Deux. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires le nom d'un personnage qu'on pourrait faire pour une prochaine vidéo. Voilà, bon, nous on est parti, on va aller voir Annabelle, on va aller voir qu'est-ce qu'elle fait. Et bah si on peut lui prendre un ticket surtout pour pouvoir rentrer dans son corps, parce que je crois qu'il faut que je lui achète un ticket. Alors dès maintenant je vais récupérer un petit peu d'argent. Alors tac, mon argent il est ici, nickel. Voilà, et alors du coup, on va la regarder. Ouh là, bah les prix déjà ils ont augmenté. Alors, bonjour Annabelle. Salut. ça va? Ouais, ok. Bon, Annabelle, alors je suis venu aujourd'hui ici parce que je crois que j'ai envie de prendre une place pour pouvoir rentrer dans ton corps. Enfin, plutôt prendre un ticket. Donc, à combien il est le ticket, madame? Il est à 10 euros. 10 euros, what? Mais attends, mais toi t'es plus cher que ça, toi, parce que le clincher il me l'avait fait à 5 euros. Ouais, mais aujourd'hui c'est comme ça, c'est moi qui fais les prix. Ah, aujourd'hui c'est toi qui fais les prix. En ouais. Plus, ça il est mort. Ah, oui, ça il est mort. Ouais, toi, en plus, t'es toute jeune et tout. Putain, j'en connais un qui aimerait bien aussi rentrer dans ce corps. Hein. Bon, donc du coup, bah, je vais te donner 10 euros. Alors, tac, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, tac, hop là. Donc, du coup, après les 10 euros, est-ce que t'aurais pas un petit le petit ticket du coup pour que je puisse rentrer? Ouais, si jamais, tiens, donc tiens. Ok, et... donc ça c'est le ticket. Deuxième, si genre tu voudras revenir, je te l'offre. Ah, ok. Bon, bah, les amis, c'est peut-être en fait 10 euros pour avoir deux tickets. C'était peut-être pas précisé. Ok, bon, bah, merci beaucoup, Annabelle. Et bah, j'espère que je m'en servirai. Bon, bah, les amis, je sais pas si je vais m'en servir. Juste une petite question que j'avais posée aussi au clincher. Est-ce que j'ai des risques de mourir en entrant là-dedans? Tu verras bien. Oula, ok. Bon, bah, ça m'inspire pas trop tout ça. Bon, allez, vas-y. Sur le poissonner. Vas-y, poinçonne mon petit ticket. Tac. Voilà, c'est bon. Merci. Bon, tu me le rends. Parfait, allez, merci. Bon, bah, du coup, on se retrouve tout à l'heure à la sortie du truc. Ou ah, je sais pas où. Tout à l'heure. Allez, au revoir, au revoir. Bon, on est parti, les amis. Tac, on entre avec le petit levier qui est ici. Surtout, aujourd'hui, on va essayer de fermer aucune porte. Alors, première question, du coup. Premier niveau. Trouve le coffre à Annabelle, la poupée tueuse. Ok, donc déjà, ça parle de poupée tueur et tout. Ça me plaît pas trop sous ce vocabulaire. Mais donc, du coup, on a plein de coffres devant nous. Alors, on a des coffres ici. Ok, bon, bah, cette fois-ci, on peut pas les ouvrir ceux-là. On va ouvrir directement ceux du bas. Tac, alors ici, encore une fois. Pas de surprise pour l'instant. J'imagine qu'il faut qu'on trouve un levier. Le levier qui nous permettra de simplement de pouvoir entrer dans la salle suivante et pour voir qu'est-ce qui s'y cache. Tac. Ok, donc les amis, pour l'instant il n'y a rien. Donc on va aller regarder sous ces tapis. Alors, ok, donc là on a un tapis et encore un autre tapis et il n'y a rien dans tous ces tapis. D'accord. Allez, on va regarder ici s'il n'y a pas des trucs. Là non. Ok. Bon, on en a encore quelques dizaines à casser. Donc tac, tac, tac. Voilà. Ok, bon. Rien de spécial à première vue, tac, on va juste remettre le coffre, hein, qu'on ne jette pas. Voilà. Ok, bon, bah, il nous reste un tapis là, hop, et est-ce qu'il me manque un tapis? Ok, il y en a encore un ici que j'avais pas vu, tac, et ok, alors qu'est-ce qu'on va à l'intérieur? Donc, on a un coffre qui était réellement caché, et j'espère qu'on va avoir un levier, attention, yes! Parfait, les amis, donc du coup, on a réussi à obtenir notre premier levier. Alors, il va nous permettre de pouvoir accéder à la seconde salle, donc je sais pas qu'est-ce qui se cache dans la seconde salle. J'imagine encore une fois que peut-être qu'on va avoir un combat à faire contre Annabelle. Donc, il va falloir que je me prépare psychologiquement, parce que là, peut-être qu'il va y avoir un combat où je risque la mort. J'espère que ça, tout va bien se passer. Donc c'est parti, on ouvre la porte, 3, 2, 1, go. Ok, donc je suis dans la porte et on a réellement Annabelle ici. Oh, coucou Annabelle. Bah du coup, t'es de nouveau là. Ok, bon. Annabelle, je me posais une question du coup. Et qu'est-ce que je dois faire ici? On est dans une sorte de cuisine. J'ai faim. Ah, ok, j'ai compris que t'as faim. Bon, et comment est-ce que je peux remédier à ta faim là, tu comme me ça fais à manger. Ah ouais, tu veux que je te fasse à manger? Et attends. Parce que moi, si je te fais à manger, je veux qu'il y ait un échange. Hein. Si je te fais à manger, je veux que tu m'offres un levier après pour que je puisse partir de cette salle. Si tu me fais à manger, tu pourras sortir directement. Ah, si je te fais à manger un truc qui est bon, hein, si, et si je te fais un truc pas bon, qu'est-ce qui se passe?
Tu veux voir? Ouais, si je fais un truc pas bon à manger, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que les amis, moi je sais pas. Hein. Voir. Attention. Ouh, ok. Bon, t'inquiète pas, Annabelle, je vais normalement, je vais essayer de faire un truc super bon à manger. J'espère que ça va te plaire. Alors dis-moi déjà, qu'est-ce que t'aimes bien? Ça se trouve, t'es vegan ou ça se trouve, t'aimes. Ah, ok. Bon, bah, les amis, du coup, elle n'est pas du tout vegan, cette Annabelle. À mon avis, elle est plutôt même carnivore. Donc c'est parti. On va lui faire directement un mixte de. On va lui faire une brochette avec plein de viandes différentes. Alors, bon, pour ces viandes-là, on va avoir besoin. Et ben, du coup, on va avoir besoin d'absolument tous les types de viande. Donc on va prendre du poulet, du porc, du bœuf, du mouton et du lapin. Voilà, donc tous les types de viande comme ceci. Et on va maintenant les mettre dans des fours. Alors tac, bon, on va peut-être pas avoir besoin d'autant de fours. Mais nous on est parti, on va aussi avoir besoin de charbon du coup pour pouvoir faire cuire toutes ces viandes. Tac, le charbon. Hop là, on va en avoir besoin d'un bon paquet. Donc tac, on va en mettre la moitié ici et l'autre moitié là-dedans. Voilà, parfait. Bon, on est parti, on va commencer à faire chauffer le poulet ici, le porc là, tac, et on va attendre tranquillement que ça cuise. Donc les amis, d'ici 30 secondes, à mon avis, le plat d'Annabelle sera prêt. Alors, tac, ok, donc on a déjà le poulet, tac, on va pouvoir directement passer au bœuf. On va pouvoir passer maintenant au mouton. Vous allez voir les amis que ça va aller super vite. Donc du coup là Annabelle va être super contente. Après on n'aura plus qu'à faire cuire le lapin. Et on sera bon pour Annabelle. Et vous allez voir qu'elle va être super contente. Voilà. Tac et tac. Voilà. Donc on n'a plus maintenant qu'à attendre le lapin. Et je vais lui faire sa brochette qu'elle attendait tant. Sa petite brochette de viande. On va lui mettre ça dans une petite assiette. Hein, pour tant qu'on y est. Dans une petite assiette. Alors on va prendre un bol. Je crois qu'on a des bols. Voilà, parfait. Tac, un petit bol, et maintenant... Tu te dépêches ? Oui, je me dépêche, c'est bon. Ok, bon, la brochette est finie, les amis, tac, allez, vas-y. C'est bon, tiens, hop, je te mets tout ça dans l'assiette, d'accord ? Tiens, prends l'assiette, hop, et c'est parti, tac, je te donne du coup, tac, toute la brochette. Donc ça, c'est une brochette. Alors, du coup, vu que j'ai cru comprendre que t'aimais beaucoup la viande et la chair et tout, et bah, je t'ai fait une assiette avec différentes viandes et tout, et en plus, je l'ai marinée juste avant de venir chez toi, donc du coup, j'espère que ça va te plaire. Alors, ça a quel goût ? C'est très bon. C'est très bon. Ok, bon bah je pense qu'on avait conclu un marché. C'est que si c'était très bon comme tu le dis maintenant là, tu m'ouvrais la voie pour, enfin l'issue pour que je puisse partir et aller dans la deuxième base. Donc du coup, je veux bien que tu m'offres ce levier. Oula. What? Ah ouais. Wow, yeah. Je suis tellement choqué que je tousse. D'accord, ok, bon bah merci beaucoup Annabelle. C'est super gentil de ta part. Bah merci, bon bah du coup on pourra se revoir un autre jour si tu veux. Ou bah tu sais quoi, on se revoit à la sortie, d'accord. J'espère que tu me referas un mari. Vas-y, bon bah retourne à la billetterie tranquillement. Parce que je vais peut-être avoir besoin de toi encore hein. Allez, donc c'est parti les amis. On va arriver dans la deuxième salle, dans la dernière salle pardon. Alors je suis super choqué de la force de Gumball. La force d'Annabelle, vous avez vu qu'elle a totalement cassé une porte devant moi. Alors, bon bah vas-y, bah tout à l'heure Annabelle hein. Allez, attendez, j'attends qu'elle parte parce que je l'ai vu avec une porte dans la main. J'ai juste pas qu'elle m'enferme. Oula. Annabelle, je t'ai vu, hein. Ouais, laisse-la ouvert, hein. Ça sera mieux. Bon, au pire des cas, les amis, si elle la ferme, vous avez vu qu'ici j'ai aussi un levier, donc on le récupérera. Mais je préfère quand même que ça reste ouvert. Ok, nickel, c'est bon. Elle est partie, elle a laissé tout ouvert, donc nous on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire ici? Voilà, déjà ça sent pas super bon. Ah ouais, c'est pas ouf, en plus de texture, ça a l'air d'être super bizarre ce truc là. Donc c'est parti, les amis, donc là on est du coup dans le bas du corps d'Annabelle. Et ici on a un coffre, alors qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce coffre là? Ok, bon bah je peux pas l'ouvrir, mais pour ouvrir il va falloir que j'ouvre ici. Ok, donc tac, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on a dans le coffre? On a une mission. D'accord, ok, donc on a une mission les amis, donc je vais retourner vite fait à l'endroit où c'est un peu plus propre. Parce que ça a l'air d'être vraiment sale, je sais pas ce que c'est. Tac, on va ouvrir la mission, quelle est notre mission demandée du coup? Alors, avant de continuer, pars chercher Annabelle pour lui demander quelle mission tu dois effectuer. Il n'y aura que elle qui pourrait le savoir et qui le saura. Donc, ok. Donc, la mission, les amis, c'est que j'aille retourner voir Annabelle et lui demander quelle est la mission que je dois faire dans cette base. Bah, c'est parti. J'espère qu'Annabelle, elle n'est pas partie et qu'elle m'attend dans la billetterie. Ok, parfait, elle est là, nickel. Coucou, Annabelle. Du coup je reviens vers toi parce que là je suis arrivé à la dernière salle. Et en fait il y a plein de trucs. Bah tu sais quoi, viens avec moi, on va y aller. Tac. Bah en fait dans la dernière salle, bah tu sais quoi, je vais te montrer parce que je sais pas comment appeler ça. Regarde, il y a des trucs verts de partout. Et c'est vraiment dégueulasse. Je sais pas ce que, tu peux me dire ce que c'est? Crottes de nez. Quoi? Attends, mais comment ça se fait que t'es autant de crottes de nez? Attends, c'est à dire que tu manges tes crottes de nez? Moi je mets crottes de nez, je mets mes doigts dans le nez. Ah Annabelle, mais c'est horrible. Attends, mais comment tu... Mais t'en as mangé combien là? Il y en a une, deux... Wow, il y en a au moins 50. Matin, midi et soir. Attends, mais tu... en fait, tu te nourris de chair humaine et aussi de crottes de nez.
Ah bah oui. Oh bah attends, j'espère que tu vas pas commencer à manger mes crottes de nez non plus, parce que là... Tu veux qu'on enlève tout? Ah non, 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 non. Bah oui, bah justement, si, faut qu'on enlève ça, parce que c'est horrible. Ah Là, quand tu vas oui. manger ta viande, ça va pas bien passer. Bon, du coup, je t'aide à casser? Allez, c'est parti. Bon, bah les amis, on va du coup... Ah, doucement, doucement, Nabel, tu casses un peu plus, je trouve. Hein. Tac. Allez, on va casser ici. D'ailleurs, j'ai vu qu'ici, il y a un truc secret, donc on ira voir à la fin quand on aura cassé toutes les crottes de nez, d'accord? À moins que ce soit un secret sur toi, ou je sais pas. C'est un secret sur toi, tu penses? De quoi? Bah, ici, là, il y a un secret, ici, regarde, attends, lis-le, je sais pas, parce que moi, j'arrive pas à le lire, là, on voit pas encore assez bien. Tape Annabelle au niveau du pied, elle se mettra à danser. Tac, ok, donc c'est un secret sur toi ou pas? Attends, je vais le lire, tac. Attends, attends, me dérange pas, là, j'étais devant l'affiche. Ok, alors, les amis, donc, du coup, on a le secret, les amis, parce que là, je crois qu'on a réussi à finir la mission. Alors, Annabelle, non, par contre, reste là, parce que je crois qu'en plus, ça parle de toi. Reste là, ouais, reste là, hein. Essayez pas de t'enfuir, toi. Allez, c'est parti, donc, les amis, on va aller voir quel est le secret qu'Annabelle nous propose. Enfin, quel est le secret qu'on ne connaît pas sur Annabelle et qu'on va découvrir aujourd'hui, attention. Alors... Tape Annabelle au niveau du pied et elle se mettra à danser. Ah ouais, c'est vrai ça, Annabelle! C'est vrai? Annabelle! Attends, c'est vrai que Peut-être. si je me mets à taper sur ton pied, tu vas te mettre à danser? Ok, bon bah les amis, déjà Annabelle, j'ai l'impression qu'elle a envie que je lui tape le pied parce qu'elle bouge pas ou quoi, elle a même pas envie de partir, donc c'est parti, tac! Oh, ah ouais, les gars, ça marche vraiment, regardez! Elle se met totalement. Wow. Ok, bon, je pense à mon avis, les amis, Annabelle va en avoir marre au bout d'un moment, donc je pense qu'elle va carrément même me donner les clés pour que je puisse m'enfuir. Bon, ça va, Annabelle, t'en as pas marre? Si tu peux me donner me papier sur le pied pour que j'arrête de Ah, danser. ok, bon, les amis, apparemment, elle veut que je lui donne un papier pour qu'elle arrête de danser. Donc, du Non, coup. que tu me retapes sur le pied Ah, pour ok, tac. j'arrête Ah, c'est bon. Ah, voilà, c'est bon. de Normalement, j'ai désactivé. danser. Pardon, désolé, je savais pas. J'avais pas compris. Parce que j'ai envie de te manger, Oh, sinon. non, 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 non. S'il te plaît, Annabelle. Attends, ok, bon, on lui retape sur le pied, tac. Voilà, hop, ça y est. Ok, bon, elle a repris. Allez, hop, nous, on va l'enfermer parce que là, Annabelle, on la connaît tous, hein, elle est super méchante. Ok, donc à partir de maintenant, normalement, on est assez loin pour ne plus l'entendre. Tac, je ferme aussi la porte. Ok, bon, bah, je pense qu'on peut dire que la vidéo, elle s'est plutôt bien finie. Encore une fois, c'est bien fini pour moi, mais pour Annabelle, ça doit être un petit peu plus compliqué parce qu'elle est enfermée en dansant. Elle est obligée de danser dans cette salle. Donc du coup voilà. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires et à me proposer surtout un nouveau personnage dans lequel on pourrait entrer dans son corps. Donc là on a fait le personnage de ça, le personnage d'Annabelle. Et donc du coup voilà. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre la cloche de notification. N'hésite surtout pas aussi à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et dès maintenant, je te propose à l'écran deux vidéos du coup où j'étais entré dans d'autres corps différents sur Minecraft. Donc n'hésite pas à cliquer. Elles pourront vraiment te plaire. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Allez, ciao ciao!